Bonjour. Bonjour. Bon, Adrien, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur le match de Nice? Comment vous, à froid, comment tu vois ce match? Est-ce que vous êtes content d'avoir pris un bon point, déçu peut-être de ne pas avoir pris les 3? Bah, forcément qu'on est un peu déçu de ne pas avoir pris les 3 points, parce que c'est toujours mieux de prendre les 3 points. Après, non, franchement, c'est un bon point qui est pris à l'extérieur, qui peut être important, contre un concurrent direct, qu'on laisse entre guillemets à distance, même si voilà, ça aurait été mieux de prendre les 3 points pour mettre la distance encore plus grande. Elle est compliquée à jouer, cette équipe de Nice, on l'a vu. C'est bien aussi de pouvoir se tester face à ces équipes-là, ces blocs un peu plus bas, ces équipes qui mettent peut-être pas mal d'impact. Oui, bien sûr, c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer. Voilà, ils ont un bon bloc, ils ferment bien l'intérieur, ils laissent pas beaucoup d'espace, et c'est bien de se confronter à ce genre d'équipe où voilà, c'est des matchs où il faut qu'on mette plus de dynamisme, qu'on joue plus simple et plus vite pour les déséquilibrer. Comment est-ce que toi et le groupe, vous envisagez ce sprint final? Est-ce que vous êtes... Vous êtes dans quel état d'esprit avant ce sprint final? Alors honnêtement, on prend les matchs match par match, parce que voilà, il reste quand même 8 matchs, même si voilà, c'est un sprint final, il reste 8 matchs, il reste encore beaucoup de points à prendre. Donc on va se concentrer match par match. Là, il y a le match de Reims qui arrive samedi et on verra pour la suite. Alors Nice, c'était pas facile à jouer, Reims ça l'est pas non plus, c'est la bête noire. Bah oui, de ce qu'on m'a dit, mais après non, faut pas, ça reste des chiffres. Voilà, on va faire ce qu'il faut pour aller les battre là-bas et pour inverser la tendance, parce que on y va forcément pour gagner. Maintenant, voilà, c'est pas comme ça que ça va se passer. Il va falloir mettre les ingrédients pour et ça devrait le faire. T'y crois, toi, ces histoires de bêtes noires, tout ça dans le foot, les séries? Honnêtement, j'y crois pas trop, parce que voilà, on sait très bien que dans le foot, ça va très vite. Donc non, j'y crois pas du tout. Voilà, maintenant, c'est à nous de... Si on fait les choses bien, qu'on fait tout bien, normalement, ça devrait tourner en notre faveur et ça devrait plus être notre bête noire. On a l'impression que le Stade Rennais a bien changé par rapport au match aller où il avait perdu 2-0. On a l'impression que dans la maturité, dans la confiance, dans le jeu, c'est bien différent. Tu ressens ça aussi ou pas? Oui, forcément. Après, il y a eu énormément de matchs. Donc, il y a eu énormément de matchs d'entraînement aussi, parce que voilà, on travaille beaucoup aux entraînements. Donc non, c'est important, oui, forcément que l'équipe, elle a mûri, qu'on oui, certes, on joue bien. Maintenant, voilà, il faudra qu'on continue de jouer comme on sait le faire contre Reims, parce que voilà, c'est important et on va essayer d'aller chercher les 3 points. Dans la concurrence avec Birger, on a l'impression que tu as un petit peu pris l'ascendant ces derniers temps. Tu l'expliques comment? C'est que tu fais la différence aux entraînements peut-être? Prendre l'ascendant, c'est un grand mot, oui. J'ai peut-être un peu plus joué que lui, mais bon, avant il a beaucoup joué. Voilà, on est dans une sorte de rotation. Donc je dirais pas que j'ai pris l'ascendant, mais oui, c'est bien que je puisse m'exprimer et je suis content de jouer. Maintenant, je prends tout ce qu'il y a à prendre, toutes les minutes de temps de jeu qu'il y a à prendre, je les prends et voilà, j'essaie de faire le maximum, que ce soit aux entraînements et aux matchs. T'as l'impression d'avoir progressé cette saison, notamment grâce à cette concurrence peut-être? Oui, bien sûr que j'ai progressé. En plus, on a une bonne concurrence avec Billy. Voilà, la concurrence, elle est saine. C'est un super joueur, donc j'ai forcément à apprendre de lui. J'ai beaucoup appris aussi cette année. J'ai beaucoup mûri et de toute façon, oui, c'est en jouant qu'on avance. Ce qui marque chez toi, Adrien, c'est tu n'as pas peur d'avaler les espaces, de prendre des risques. Est-ce que ça, c'est une nature que tu as développée ou c'est dans ta nature depuis toujours? Non, je pense que c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis petit. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup courir. Donc non, voilà, c'est quelque chose que j'aime, aller vers l'avant, courir, le dépassement de soi, c'est ce que j'aime. Donc je pense que j'ai ça depuis que je suis petit. Est-ce que tu te surprends à avoir déjà des stats où, pour un latéral, 3 buts cette saison en tout, ça marque quand même? Est-ce que tu es surpris de ça? Non, honnêtement, je suis pas surpris, parce que voilà, après les buts, je les ai marqués quand je suis rentré excentré. Voilà, j'ai eu un poste qui a été offensif plus jeune. Encore aujourd'hui, je peux jouer dans un poste qui est plus offensif. Donc non, ça me surprend pas. Maintenant, si je peux en marquer d'autres, tant mieux. Et en équipe de France, c'était exactement pareil qu'en club. Oui. C'est le même jeu, c'est le même jeu vers l'avant, l'impression que t'es pas bridé non plus. Non, bien sûr, de toute façon, moi je joue mon jeu. Voilà, après forcément qu'en fonction des coachs, il y a des spécificités qu'on doit plus appliquer que d'autres, mais non, moi quoi qu'il arrive, je joue mon jeu. Voilà, mon jeu c'est d'aller vers l'avant et de prendre les espaces, donc je continue de le faire, que ce soit en équipe de France ou en club. Et par rapport à l'équipe de France, justement, la dernière fois, vous vous êtes retrouvé beaucoup de la même génération d'anciens Rennais. C'est comment de se retrouver avec des joueurs avec qui on a été formé comme ça chez... Bah forcément, c'est sympa, parce que voilà, donc c'est des joueurs avec qui en plus on a joué. Enfin, j'ai joué quand j'étais jeune, donc forcément c'est sympa. Ça fait plaisir. Ça veut aussi dire que voilà, le Stade Rennais a une bonne formation et c'est important. Il faut entretenir ça. Et ouais, non, ça, franchement, ça fait plaisir. Comment s'est passée l'intégration de Warmed justement avec les Bleuets?
Bah super bien, voilà, il connaissait déjà du monde, il y avait pas mal d'ex-Rennais, donc non, ça s'est super bien passé pour lui. Sur le bout, pour la course dont tu parles, est-ce que tu as déjà joué dans une équipe qui aimait autant courir que le Stade Rennais actuel ? Est-ce que tu as eu une... Bah moi j'ai connu que le Stade Rennais de toute façon. Non, mais donc... particulièrement, non franchement cette année moi je trouve que ouais on a une superbe équipe. Maintenant voilà on court les uns pour les autres, c'est important. On s'entraide tous sur le terrain et en dehors du terrain. Parce que voilà, non, on a un bon groupe. Maintenant faut continuer comme ça parce que voilà, comme je l'ai dit, il reste 8 matchs et il faut pas s'arrêter maintenant. Vous avez des stats impressionnantes par rapport face à Nice, vous avez couru 4 km de plus qu'eux alors que vous aviez le ballon la plupart du temps, on peut imaginer souvent que c'est l'équipe qui l'a pas qui va le plus courir. Comment c'est arrivé ça au fur et à mesure de la saison, c'est naturel pour vous de faire les courses en permanence comme ça, même quand on a le ballon? On va dire que voilà, on l'a travaillé aussi parce que voilà, c'est important de faire des courses sans ballon, de courir dans les bons espaces, de pas courir pour rien, parce que voilà, même si on a le ballon, on va dire que faire des appels, etc., c'est pas parce qu'on a le ballon qu'on doit pas bouger. Donc ça m'étonne pas plus que ça qu'on ait couru plus que Nice, parce que voilà, on est une équipe qui dribble pas forcément beaucoup, mais on aime bien jouer en passe, on aime bien faire des appels et même des appels à vide qui libèrent des espaces pour d'autres joueurs. Donc non, c'est important de courir les uns pour les autres. C'est la philosophie du coach, tu dirais, ça, du staff? Oui, je pense aussi que ouais, c'est la philosophie du coach et du staff, que voilà, c'est important de, bah, comme j'ai dit, de courir les uns pour les autres dans les bons espaces, etc. Est-ce que... Ouais, vas-y. Je veux revenir juste sur l'équipe de France. Tu es devenu titulaire hein, à part entière dans cette équipe. Tu peux me la comparer de le jeu en club? Quels sont ton ressenti? Est-ce que c'est plus élevé? Comment il faut s'adapter? Bah déjà c'est pas la même chose parce que voilà on porte le drapeau français, on porte le maillot de l'équipe de France. Donc non c'est pas la même chose. Après le niveau personnellement de mon ressenti, je trouve que il est plus élevé en club. Parce que voilà, après on joue contre des nations peut-être un peu plus petites, qui bah c'est pas des grands pays. Donc non, après voilà, là on n'est que aux qualifications. Donc voilà, faut qu'on continue de prendre des points, de progresser, parce que voilà, c'est difficile aussi de créer des liens quand on se voit pas beaucoup l'année, même si on se connaît beaucoup. Mais non, non, on a aussi une bonne génération et on peut aller loin aussi. Tu te surprends à avoir ce niveau-là en espoir? Non, non, je me surprends pas. Honnêtement, moi, je suis conscient de mes qualités. Je sais ce que je dois faire, je sais ce que je dois travailler, je sais où je peux aller, je sais, voilà. Donc, non, j'essaye de progresser de jour en jour, mais non, je suis conscient de mes qualités et ça me surprend pas, entre guillemets, là où je suis. Tu les vois où, tes marges de progrès, justement? C'est dans le geste défensif pur, plus que devant? C'est où? Je pense qu'il y a tout à progresser. Après, oui, je pense que plus spécifiquement défensivement, parce que voilà, pour un latéral, c'est important de savoir bien défendre. Voilà, je suis un latéral moderne, comme on dit, voilà, qui aime bien aller devant. Donc c'est aussi important de travailler ma qualité de centre, ma dernière passe, même ma qualité de dribble pour éliminer dans certaines situations. Mais je pense que mon plus gros progrès, il est défensivement, même si je pense que j'ai bien progressé quand même. Est-ce que tu as le sentiment aussi d'avoir progressé sur l'utilisation de ton pied droit? On t'a vu peut-être en début de carrière très gaucher, exclusif, avoir peut-être parfois un peu d'appréhension à donner le ballon pied droit à l'intérieur du jeu. Tu as l'impression que là-dessus, tu travailles bien Ouais, après j'ai encore à progresser là-dessus, je vous le cache pas, parce que voilà, j'ai le pied droit qui... Non, faut que je le règle, entre guillemets. Mais non, non, ouais, j'ai encore à progresser là-dessus, mais ça va venir avec le temps et voilà. Le défenseur le plus proche de toi sur le terrain, c'est Naïef Aguerd. Comment il se comporte? Est-ce que il se comporte comme un patron? Est-ce que c'est quelqu'un qui a pris beaucoup d'importance dans cette équipe? Ouais, je pense que voilà, il a pris beaucoup de confiance en lui aussi, dans son jeu. Et oui, il a pris confiance dans l'équipe. Il a joué quasiment tous les matchs. Et non, oui, forcément que c'est bien de jouer avec lui, parce que voilà, il est serein, il fait des bonnes passes et c'est important pour l'équipe. Juste tout à l'heure, on parlait de Warmed. Il vit ce que toi t'as vécu l'an dernier, sa première saison. En tant que titulaire, est-ce que vous parlez de la découverte comme ça? Est-ce que vous avez échangé ensemble sur comment progresser et comment s'installer dans l'équipe? Oui, bien sûr, on en a parlé. Après, voilà, c'est entre guillemets la saison de l'euphorie. Maintenant, lui, il faut qu'il continue de travailler comme il fait très bien. Voilà, il faut qu'il continue d'engranger de l'expérience parce que c'est important et ça ira bien pour lui. C'est ça le plus dur, la deuxième saison? Honnêtement, je pense que toutes les saisons elles sont compliquées. Après, voilà, on m'a déjà dit que souvent la deuxième saison était la plus compliquée parce que c'est la saison de la confirmation, c'est la saison de là où faut confirmer ce qu'on a déjà fait de bien. Après, est-ce que c'est la plus dure? Écoutez, je vous dirai ça à la fin de ma carrière. Je sais que tu es assez proche de Lorenz dans le vestiaire. Tu pourrais nous dire un mot de votre complicité? Bah écoutez, on s'entend très bien. Voilà, c'est un bon ami à moi. On se voit beaucoup en dehors. Donc ouais, non, on a une bonne complicité, on s'entend super bien et voilà, on travaille bien ensemble aussi, on se porte vers le haut, on se dit les choses quand ça va pas et non, on s'entend super bien.
La concurrence avec Meling, à quel moment de la semaine tu sais que tu vas débuter ou que c'est lui qui va débuter? Comment vous vivez ça? Alors ça dépend des semaines, des fois on ne sait pas. Des fois on arrive à la causerie du match et on ne sait toujours pas qui va débuter. Donc, mais moi je trouve ça bien parce que voilà, on va dire que on doit toujours se donner au maximum à l'entraînement. Donc c'est important de, voilà, d'essayer de se surpasser et de ne pas savoir forcément la composition de l'équipe à l'avance. Il y a un mot qui est... Enfin, le podium est un peu tabou, on a l'impression, quand on vous demande si vous voulez y aller. Récemment, tu as quand même dit que tous les joueurs aimeraient retrouver la Ligue des Champions. Est-ce que quand même vous en parlez entre vous, alors qu'on a l'impression que vous avez les moyens de le faire? Alors honnêtement, on n'en parle pas plus que ça, parce que voilà, comme j'ai dit précédemment, on prend match par match, il reste encore 8 matchs, donc c'est beaucoup de matchs, la saison elle est loin d'être finie, donc on se concentrera sur ça après. Voilà, forcément qu'on a envie de jouer une Coupe d'Europe. Après, écoutez, on fera les comptes à la fin de la saison, bah, pour savoir laquelle on joue, mais on donnera le maximum pour gagner le maximum de points. Quand on est joueur pro, on est quand même forcément ambitieux, on a envie d'aller le plus haut possible, donc j'imagine. Oui, bien sûr. Une deuxième ou une troisième place. Oui, bien sûr, on va pas se le cacher, mais voilà, on se concentre match par match et on fera les comptes à la fin. Quand tu regardes le classement, tu dois te dire que ça commence à sentir un petit peu bon quand même pour l'Europe. Écoutez, je viens de le dire, on va prendre match par match, on verra, il reste 8 matchs, c'est encore long. Donc non, franchement, on fera les comptes à la fin, on verra quand il restera 2-3 matchs. Okay. Merci à vous. Trois joueurs absents, Jérémy Doku, toujours, Kamal Dine, Souleymana et Loïc Badé. Plus bien sûr Jérémy Gélin et Alfred Gomis qui sont sur des blessures plus longue durée. Jérémy Doku, il n'y avait pas l'ambition de pouvoir leur trouver. Si, mais c'est encore trop juste pour cette semaine. Donc des examens complémentaires aujourd'hui qui nous en diront un petit peu plus sur la suite, mais il est plutôt sur la bonne voie. Il a passé la trêve avec vous ou avec la Belgique du coup? Il a passé une partie de la trêve avec nous et une partie de la trêve avec la Belgique. Le début de la trêve en Belgique et la fin de la trêve avec nous. C'est un peu ridicule d'ailleurs, c'est un peu bizarre d'aller... La Belgique fait nous, on est tenu de libérer les joueurs lorsqu'ils sont convoqués, y compris les joueurs blessés. Donc on a fait dans ce qu'on devait faire. Ouais. Ah, bon, après... ils avaient des tests à faire aussi apparemment, donc voilà, on s'est plié au règlement. On y a une chance de revoir Kamal Dine sous les manas avant la fin de la saison. Oui, avec cette blessure-là. Oui. D'accord. Oui, j'ai bon espoir qu'il revienne parmi nous avant la fin de saison et j'espère avant la fin du mois. Mais il fait quoi en ce moment? Il peut courir, il peut... Oui, il alterne du travail en salle et du travail sur le terrain avec Julien Corvusier qui est notre préparateur athlétique chargé de la... entre autres de la réathlétisation. Donc sa douleur a bien diminué, donc maintenant il faut le remettre physiquement bien pour qu'il puisse intégrer les séances collectives avec ballon progressivement. Pour Jérémy, c'est presque une saison blanche à l'arrivée. Comment il est vide? Il est fort mentalement parce qu'il se laisse pas, il se laisse pas abattre, même si je sais que c'est très dur pour lui de devoir suivre le parcours de l'équipe en étant blessé, et c'est dur pour nous aussi, pour les trois d'ailleurs, enfin pour tous ceux qui sont blessés, parce que on a besoin d'eux et que forcément c'est un manque pour moi, pour l'équipe, de ne pas avoir les cinq joueurs qu'on vient de citer. Tu n'as pas de date en tête, ça peut être la semaine prochaine comme... J'espère pour Jérémy qu'on en saura plus en fin d'après-midi suite à ces examens, et Loïc avance bien aussi, donc j'espère aussi le voir rapidement avec nous. Et Kamal Dine, bon, c'est un petit peu différent par rapport à la blessure qu'il a, mais comme je vous l'ai dit, j'espère qu'avant la fin du mois il pourra être compétitif pour être dans le groupe, parce que ça nous offre quand même aussi des possibilités supplémentaires sur cette fin de saison qui va être très serrée et très importante. Donc j'espère qu'on puisse récupérer tout le monde avant la fin du mois. Bon, il y a Alfred qui a sa fracture, on sait que c'est un peu plus long, mais pour les trois joueurs précités, j'espère qu'on les récupérera avant la fin du mois, même voire un petit peu avant. Au niveau de la hiérarchie des gardiens, est-ce qu'elle peut t'amener à évoluer? Maintenant que Romain Salin
est revenu dans le coup, ou est-ce que non, pour l'instant, Degan donne satisfaction, donc c'est lui qui gardera les buts demain à Reims. J'ai eu une bonne discussion aussi avec Romain, qui est très bien dans l'esprit aussi et dans son rôle, donc il n'y a pas de souci. Bruno, on imagine que tu as pu décortiquer ce match de Nice, le revoir un petit peu à froid. Qu'est-ce qui manque selon toi pour aller prendre les 3 points là-bas? Ce qui nous a manqué, je pense, notamment en première mi-temps, c'est un peu plus d'audace offensive. Je trouve qu'on a plutôt bien amené le ballon jusqu'aux 25 derniers mètres adverses. Il nous a manqué un peu plus d'audace, un peu plus de prise de risque, un peu plus de justesse technique aussi. Même si je pense que ça a été plus difficile parce que c'est une équipe qui défend très très bien, qui laisse très peu d'espace. Mais je pense qu'on aurait pu faire mieux techniquement pour être plus dangereux, notamment en première mi-temps. Parce qu'on a eu une grosse possession, plutôt de bonnes ébauches d'attaque, mais il nous a manqué cette dernière passe, ce dernier appel, le petit 1-2 plus précis, plus juste, pour se créer des occasions plus nettes, voire pour marquer. On l'a fait paradoxalement bien en début de deuxième mi-temps, puis après le but qu'on a encaissé. Après tout, après avoir vu le match, on a presque envie de se dire qu'en fait, ce n'est pas finalement un si bon point parce que vous aviez vraiment la possibilité quand même de gagner ce match-là. Oui, sur la physionomie du match, on peut se dire qu'on a peut-être les meilleures occasions pour gagner. Après, si on analyse plus globalement sur la situation, sur cette équipe niçoise qui est une équipe difficile à jouer, en étant mené au score chez eux, ça reste un bon point de prix avec... On a montré du caractère pour revenir au score, sur un coup de pied arrêté certes, mais on a tout fait ce qu'il fallait pour revenir. Et en plus, on a derrière continué à jouer notre jeu, à se créer des occasions. On a 3 occasions pour marquer le deuxième but. Il y en a 2 où le gardien joue bien le coup et où on manque un peu de réussite sur la frappe de Warmet puisque c'est sauvé sur la ligne. Et puis une avec Baptiste en fin de match où on peut-être faire mieux encore. Donc c'est là-dessus où on doit encore s'améliorer, ces petits détails qui font la différence dans les matchs qui sont très serrés. Est-ce que le fait d'avoir réussi enfin à prendre un point après avoir concédé l'ouverture du score, psychologiquement, ça peut aussi aider ton groupe pour les matchs qui vont arriver? Oui, ça c'est important, ça ne nous était pas arrivé. Donc c'est important, qui plus est, c'est un adversaire direct, parce que le fait de prendre un point, ça nous permet de garder nos 2 points d'avance et de ne pas se retrouver derrière Nice. Donc c'est pas anodin, et ça montre que l'équipe progresse aussi dans ce domaine-là, au niveau mental, au niveau du caractère, au niveau de la force de caractère, parce que j'ai vu une équipe qui a continué à jouer son jeu, qui n'a pas paniqué, qui ne s'est pas laissé abattre après l'ouverture du score, qui était un peu dur pour nous. Donc ça aussi, ça montre qu'il y a eu beaucoup de progrès depuis le début de saison dans ce domaine. Est-ce que c'est tabou de parler du podium ? Non, c'est pas tabou, c'est juste trop tôt. Je l'ai dit, il reste 8 matchs, c'est 24 points. Quand vous regardez le classement, tout est très serré et finalement, d'un week-end à l'autre, on élimine des équipes, puis on se dit « Ah ben non, finalement, eux, ils ne sont pas éliminés, ils reviennent, finalement, ils ne sont pas si loin que ça. » Donc, c'est beaucoup trop tôt pour en parler. Ce qui est important, c'est de continuer à jouer notre jeu, à développer notre jeu sans autre arrière-pensée que ça. Et je l'ai déjà dit, on pourra faire le point déjà fin avril. On aura joué Saint-Etienne. Après le match de Saint-Etienne, il ne restera que 3 matchs de championnat. Et là, on pourra faire un point sur les objectifs. Est-ce qu'on les revoit à la hausse? Est-ce que ce sont les mêmes? Voilà. Mais pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt. Donc, ce n'est pas tabou. C'est juste que c'est trop tôt. Et je pense qu'il faut qu'on se focalise d'abord sur notre jeu et sur ce qu'on fait de bien. Tu penses que ça pourrait être un adversaire direct en parlant de Nice? Oui, ouais, mais on a plusieurs adversaires directs. Aujourd'hui, on a Marseille. On a Nice, on a Strasbourg, on a Lille, on a Monaco, j'en oublie peut-être même. Voilà, mais comment ? Non, c'est ça dans l'ordre. Ouais, c'est ça. Bon, il y a 6 points, je crois, d'écart avec Lille et Monaco, seulement 6 points à 8 matchs de la fin. S'il y a encore 6 points à 3 matchs de la fin, c'est complètement différent. On parlera autrement et on pourra voir ce qui se passe à ce moment-là. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt. Mais tu penses que ça pourrait faire déjouer ton équipe de le dire ? Parce que c'est pas trop tôt pour dire que vous avez envie d'y être. Non, mais quand on commence une compétition, on a toujours envie d'être le plus haut possible. Surtout lorsque vous êtes dans un club ambitieux, avec des moyens, avec des choses qui ont été mises en place pour atteindre le haut niveau. Donc
L'ambition, elle date pas d'aujourd'hui. Elle était déjà d'être européen en début de saison. Et quand on est joueur professionnel ou entraîneur professionnel, on a toujours envie d'aller le plus loin possible dans ses ambitions. Donc c'est pas ça, c'est pas tabou. Simplement, je dis qu'aujourd'hui, il est trop tôt pour parler de ça, parce qu'il y a trop de points encore en jeu et très peu d'écart entre les équipes. Si aujourd'hui on était troisième avec 6 points d'avance ou 7 points d'avance sur le quatrième, je vous dirais oui. Bon, mais là, c'est beaucoup trop serré pour parler de quoi que ce soit pour l'instant. Il va se jouer où ce sprint final sur les confrontations directes? Parce que toutes les équipes que tu as citées, quasiment, vous allez les jouer. Tes joueurs les ciblaient, notamment après le match en zone mixte, ils étaient pas mal à parler du fait qu'il allait y avoir beaucoup de confrontations directes. C'est là qu'il va se faire le sprint, le championnat? Non, moi je pense pas. Je pense qu'il va se jouer sur la régularité de nos performances. Et pour avoir de la régularité dans nos performances, il faut continuer à jouer comme on fait, sans arrière-pensée, sans mettre en avant le résultat avant le jeu. Parce que des confrontations directes, on en a. Nos adversaires en ont aussi. Donc ce qui va faire la différence, c'est la qualité du jeu qui va nous amener la régularité dans les résultats. Reims, ça sera une autre opposition que Nice. Non. On ne sait pas trop. Ils ont fait des matchs complètement différents. Par exemple, à Monaco, ils ont joué très bas et ils ont gagné en contrant. Contre Lyon, ils ont fait un pressing un peu plus haut. Voilà, donc on s'attend à tout. C'est une équipe qui est solide défensivement, qui encaisse pas beaucoup de buts, qui est bien organisée. Mais on sait que tous les matchs sont difficiles de toute façon. La Ligue 1, c'est un championnat qui est difficile. Et comme beaucoup d'équipes sont concernées soit par le maintien, soit par les luttes européennes, ça sera serré jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'il a de piégeux justement? Alors ce déplacement, c'est quoi cette équipe enfin, tu nous l'as dit un peu, mais voilà, qu'est-ce qui est le piège pour vous par rapport à vous-même justement, votre jeu? Il y en a deux pour moi. La première chose, c'est justement de se focaliser que sur le résultat et en se disant c'est un match important pour atteindre nos objectifs. Ça, c'est le premier danger parce qu'on en oublie les moyens pour parvenir à notre objectif. Et le deuxième, bah, c'est les croyances limitantes, c'est-à-dire que c'est la bête noire. Voilà, parce que moi aussi, je l'ai entendu et à force d'entendre ça, bah, voilà. Et pour moi, ce sont des croyances limitantes. C'est simplement des chiffres. On leur fait dire ce qu'on veut. Et si on commence à croire à ces choses-là, comme à d'autres, on est un petit peu inhibé ou ça peut amener des idées négatives. Donc, voilà, c'est deux dangers. Plus la qualité de l'équipe adverse, quand même, aussi. Le match aller, il ne faut pas en tenir compte, par exemple, c'est pas du tout la même période de la saison. Non, mais par contre, c'est peut-être aussi un point de référence, parce que peut-être qu'on aura le même genre de configuration, à savoir une équipe qui nous avait contré. On avait pris 2 buts sur des contre-attaques. Donc ça sera peut-être le cas aussi samedi. C'est vrai que c'est un autre contexte, on n'était pas dans la même période, on était dans une période où on jouait beaucoup moins bien, où on était aussi beaucoup moins performant en termes d'efficacité. Mais en tout cas, il faudra être à 100% si on veut ramener un très bon résultat de là-bas, c'est sûr. C'est irrationnel, selon toi, ces séries, ces bêtes noires dont tu parlais? Je pense parce qu'il y en a qui durent oui. dans le temps. On voit Marseille à Bordeaux, il y en a eu plein. Oui, oui, mais bon, je veux dire, Enfin, moi, je ne crois pas à ces choses-là. Hein. C'est comme quand on dit si on part pas au vert, on est moins performant. Si on joue en blanc, lorsqu'on joue en blanc, on gagne moins. Ça serait quand même beaucoup plus simple le foot, hein, si ça dépendait de ça. Bon, c'est vrai que il y a des séries qui paraissent étranges parfois, mais bon, enfin, moi je crois pas. Après, j'essaie de transmettre ça aussi à mes joueurs. Tu parlais de prendre des matchs. Les uns après les autres, mais Adrien le disait aussi. Il n'empêche quand même qu'avant de recevoir Monaco, ça serait pas mal d'avoir au minimum ces 6 points, et peut-être plus en fonction du match à Reims, mais d'avoir un écart conséquent avant de les faire venir à la maison. Quoi. Oui, non, mais après chaque match, il y aura des calculs de fait. Parce que après Monaco, ça sera Strasbourg, et ça va être comme ça jusqu'à la fin de saison. Mais je pense justement que c'est l'erreur à ne pas faire, c'est celle-ci. Il faut avancer et on fera un point après le match de Saint-Etienne fin avril parce qu'il ne restera plus que 3 journées et là on pourra avoir une photo qui sera plus réaliste
de ce qui est possible de faire par rapport à nos objectifs. Reims, c'est une des rares équipes qui n'a plus rien à jouer quand même. Dans... Ils ne sont pas vraiment menacés par la relégation. Non, mais ça veut rien dire. Hein. Au contraire, parfois, c'est des équipes qui sont libérées. Je ne pense pas qu'ils sont chez eux. Ils ont envie de montrer des choses. Donc, ça sera difficile. On le sait, mais on est préparé. Est-ce qu'on peut avoir un petit point sur la saison de Warmed ? J'ai l'impression que depuis quelques temps, il peut y avoir un petit peu de nonchalance qui l'amène à commettre des erreurs un peu, alors sur des passes faciles, sur des choses qui, normalement, il maîtrise. Comment est-ce qu'il évolue ? Ouais, mais c'est difficile pour un très jeune joueur d'avoir un niveau très très haut toute la saison. Il garde un niveau très correct pour un joueur qui débute, qui fait sa première saison, à un poste où c'est très difficile, parce que en plus on a quand même un jeu où on est très souvent en possession du ballon, et comme pour le gardien de but, il faut avoir une attention de tous les instants, parce que parfois c'est une ou deux interventions déterminantes à faire dans le match, il ne faut pas la rater, ou un ou deux ballons de relance perdus qui peuvent coûter cher. Donc il doit encore s'améliorer dans la concentration, mais pour une première saison, ce qu'il fait, c'est énorme, je trouve. Et voilà, il doit encore passer un palier, c'est sûr, mais comme beaucoup de jeunes joueurs. Mais en tout cas, moi, je suis très satisfait à la fois de Warmed, mais de notre charnière aussi, entre autres, parce que je pense qu'on a une des meilleures charnières du championnat, quand on analyse les qualités intrinsèques de l'un ou de l'autre. Dans le jeu défensif ou dans le jeu avec ballon, je pense qu'on a beaucoup de chance. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'on a l'impression avec lui parfois que les choses qui paraissent les plus faciles, en fait, c'est les choses qui pour lui, il faut qu'il se force à bien les faire, et sur les choses très difficiles et très performantes, et sur parfois des petites... Ah oui, mais c'est pour ça que je parle de concentration, parce que quand on est jeune, quelque chose de facile, on se dit, bon, bah, ça c'est facile, et puis au très haut niveau, on voit que les choses les plus faciles, souvent, ce sont celles... qui sont les plus difficiles à faire. On a vu hier encore, hein, dans les matchs de très haut niveau, que parfois des choses simples. Il y a eu deux exemples dans les deux matchs d'hier où il y en a un qui a coûté un but et l'autre où ça a failli. Mais donc il faut être toujours dans la concentration, dans l'anticipation. Et c'est ce qui est le plus difficile à avoir sur 90, 95 minutes ou sur 35 matchs, sur 38 dans la saison. Et quand on est jeune, parfois c'est ce qui est encore le plus difficile à acquérir. Parce que c'est l'expérience, parce que c'est d'avoir vécu déjà certaines situations. Et lui, c'est sa première saison. Mais je ne suis pas sûr qu'en début de saison, il y ait beaucoup de personnes qui pensaient qu'il allait réaliser la saison qu'il réalise. Donc voilà, moi, je suis content déjà qu'il ait été sélectionné en espoir. Et je suis très satisfait de ce qu'il fait. Entre autres, Warmed, mais toute l'équipe. Mais le concernant, c'est une première saison qui est très encourageante. Sa chance aussi, c'est d'évoluer sans doute à côté d'un joueur qui lui aussi prend une dimension assez impressionnante cette année, un patron, quoi. Naïef Lagarde, ouais. C'est du très haut niveau, là. Ouais, c'est pour ça que je parle de l'association des deux, parce que je trouve qu'ils sont... ils ont à la fois les qualités similaires, parce qu'il y a de la vitesse, il y a un bon jeu aérien, il y a de l'intelligence dans la lecture du jeu, il y a la qualité technique pour ressortir les ballons. Donc, et en plus, ils ont une complémentarité tous les deux. Je pense que Naïef a aussi un rôle très important parce qu'il arrive à une maturité supérieure à celle de Warmed, et c'est normal. Mais dans ce qu'il lui dit, dans les conseils qu'il peut lui donner, mais aussi parce que Warmed est à l'écoute et réceptif. Et tu parlais de Doan tout à l'heure, qui donne satisfaction. En quoi il donne satisfaction ? C'est son jeu au pied, le fait qu'il rassure Ouais, je le trouve plutôt rassurant. Après, il est peu sollicité. Mais bon, sur ce qu'il a à faire, il est plutôt rassurant. Mais lui aussi, ça reste un jeune joueur. Hein. Il a 19 ans. Donc pour un gardien, c'est pareil. Ce sont des postes où on a besoin d'avoir beaucoup d'expérience. Mais je trouve que pour l'instant, il remplit bien son rôle. Un des nombres de classements où Rennes est en tête, c'est celui de la course. Ça vient de quoi ? Ça vient de la philosophie de jeu, du profil des joueurs, de ce que l'entraîneur demande ? Les deux, il faut. Si on demande à nos joueurs de faire beaucoup de courses, il faut aussi qu'ils aient la faculté de le faire et la volonté de le faire, ce qui est parfois pas tout le temps le cas. Là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un groupe qui a à la fois la faculté de faire des courses, la faculté physique de faire des courses, de les répéter,
qui a l'envie de le faire, et aussi parce que par rapport au travail qu'on peut mettre en place aux entraînements, on leur montre l'intérêt de faire ces courses-là, parce que on peut tout faire dire au stade. On peut dire qu'on court beaucoup, mais si on court beaucoup parce qu'on fait des courses inutiles ou qu'on est mal organisé, finalement, parfois, il vaut peut-être mieux moins courir et à bon escient. Mais là, il y a beaucoup de courses qui sont intéressantes et qui débouchent soit sur des occasions parce qu'on est servi directement, soit pour libérer des espaces pour d'autres joueurs qui vont pouvoir se démarquer. Et ça, on le sent quand on est sur le banc, on sent tout de suite si ça court bien ou si ça court mal. Oui, on le voit. Et à Nice, par exemple, il y a quelques situations où je trouve on n'a pas été très judicieux dans nos déplacements. On est venu parfois à deux dans le même espace, ou parfois on a fait à deux ou à trois les mêmes appels. Donc on a essayé cette semaine de corriger tout ça par les entraînements. Est-ce que les jeunes joueurs seront libérés pour la Gobardella, et en quoi c'est important cette demi-finale pour... La priorité, c'est nous, hein, c'est le match de Reims. Donc les joueurs dont j'aurai besoin pour Reims seront dans le groupe avec nous. L'avantage, c'est que le match de Gambardella est dimanche. Donc pour ceux qui ne rentrent pas ou qui ne participent à moins d'une mi-temps, ils peuvent participer au match le lendemain. C'est important parce que ça valide aussi le travail de la formation. C'est une compétition qui est intéressante à jouer. Et c'est aussi formateur pour les jeunes joueurs d'avoir la compétition, parce que ça fait partie justement de leur bagage de formation. Ils doivent aussi avoir ça en eux, cette volonté de gagner des compétitions, parce que c'est important pour le haut niveau. Et quand on forme des jeunes joueurs, il faut aussi leur inculquer ça. Il y a plein de choses dans le jeu à inculquer. Mais la compétition, c'est une part très importante de la formation d'un jeune joueur. Devrait jouer devant 10 000 personnes en plus oui. Dimanche. Ça aussi, c'est une bonne part de leur apprentissage pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de jouer en pro. Bien sûr, ce sont des choses qu'ils vont découvrir. Et c'est aussi là qu'on voit ceux qui sont capables de gérer leurs émotions dans un contexte qui sera peut-être un peu hostile, entre guillemets. Donc c'est pour ça que ce sont des matchs qui sont très révélateurs et très importants dans le cursus de formation d'un jeune joueur. Est-ce que nous gagner la Gambard, ça compenserait un peu le raté de Nancy? Ah non, ça serait pour le club et pour le travail qui est fourni, ça serait très valorisant. Mais le match de Nancy, moi, il est toujours là. Hein. Voilà. C'est... On saura que samedi soir, du coup, si Mathis... Oui. Oui, après le match. L'un de vos adversaires directs, en l'occurrence Marseille, va retrouver l'Europe ce soir. Au-delà de la déception de l'élimination pour vous, est-ce que vous pensez que ça peut aussi compter le fait d'être libéré, même si le mot évidemment est décevant pour tout le monde, mais d'être libéré de cette Coupe d'Europe et de cette attention? Il y a deux aspects. Le premier, c'est sûr qu'on forcément, lorsque vous avez moins de matchs, vous avez moins de risques de blessures, moins de risques de surcharge. Mais d'un autre côté, on aime bien aussi jouer tous les trois jours, avoir cette adrénaline de la compétition, et ça entretient aussi une dynamique dans le championnat. Donc je suis toujours un petit peu partagé par rapport à ça. Moi, je pense que c'est plutôt bien de jouer tous les trois jours et de jouer des compétitions où on a envie d'aller le plus loin possible. Donc je pense que c'est pas forcément un avantage d'avoir été éliminé de cette compétition. À ce stade de la saison, la dynamique est plus importante que l'éventuelle fatigue Oui, je pense. Ouais. Je pense parce que aux entraînements, on fait aussi beaucoup de fraîcheur, parce que je crois qu'on a pratiquement 200 séances d'entraînement déjà depuis le début de saison, donc plus les matchs. Donc je pense que la dynamique et le fait d'enchaîner des matchs, et alors encore plus quand on se qualifie et qu'on gagne, c'est beaucoup plus bénéfique. Est-ce que ça engendre aussi des changements dans le management de l'équipe, dans le sens où le 11 de départ est peut-être amené à moins changer, du coup certains joueurs peuvent jouer partout? Aussi, et c'est aussi un autre élément qui est plus difficile, parce que lorsque vous jouez tous les trois jours, vous avez la possibilité de concerner plus de joueurs, ce qui n'est pas forcément le cas lorsqu'il n'y a qu'un seul match par semaine. Donc, mais ça entretient aussi une dynamique différente. Voilà. Donc on verra comment on gère justement ça, même si après on aura la chance de jouer Monaco, Strasbourg et Saint-Etienne en une semaine, donc un match tous les trois jours. Et Lorient, pardon, pas Saint-Etienne. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais on verra comment on est capable de gérer tout ça. Qu'est-ce que tu penses que ton expérience
passé notamment avec l'Olympique lyonnais peut amener à ce groupe assez jeune au moment d'appréhender justement ce sprint final? Ce que je viens de dire, c'est-à-dire à la fois de garder cette volonté de compétiteur, d'aller le plus loin possible, de viser le plus haut possible, tout en gardant une lucidité, une fraîcheur, une sérénité dans notre jeu, pour continuer à jouer notre jeu comme on le fait depuis le début de saison quasiment, jouer pour gagner, sans calcul, sans arrière-pensée, qui pourrait nous inhiber. Voilà, donc ça, ce sont des choses que j'ai déjà vécues à Lyon, avec une pression encore plus importante, parce que c'était quasiment l'obligation de finir dans les trois premiers. Donc ce sont des situations que j'ai déjà vécues, qu'on a déjà vécues avec Dimitri aussi, et qui peuvent nous permettre d'aider les joueurs, et notamment les plus jeunes, à bien gérer ça. Est-ce qu'après le match d'hier soir entre Chelsea et le Real, pour vous, Karim Benzema, le meilleur joueur du monde ? Alors, j'ai pas attendu le match d'hier pour savoir que c'était un des meilleurs joueurs du monde. Après, c'est difficile de dire le meilleur joueur du monde. Il y a des joueurs fantastiques. Mais en tout cas, il est un des meilleurs du monde. Il le montre. Il l'a pas montré qu'hier. Hein. Ça fait 13 ans qu'il est titulaire au Real, dans une équipe où chaque année, il y a des grands attaquants qui arrivent et il les repousse sur le banc et il marque et il fait marquer et il joue quasiment 90% des matchs. Donc. Voilà, ça parle. Sa carrière parle pour lui. Il n'y a même pas besoin de discuter. C'est les titres qu'il a gagnés. Il a 4 Champions League. Et, voilà, moi, en plus, je l'ai connu très très jeune, Karim. Donc, on a suivi son évolution. Mais pour moi, il fait partie, oui, des meilleurs joueurs du monde. Peut-être même un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot. Pour moi, il est au même niveau que les Johan Cruyff, que ces joueurs-là, quoi. Voilà. Quand tu l'as connu très jeune, justement, oui. Est-ce que dès ce moment-là, on pouvait pressentir chez lui d'atteindre de tels sommets ? Bon, déjà, quand il est arrivé dans le groupe pro, il a montré des choses pour son âge qui étaient assez exceptionnelles, à la fois dans son adresse devant le but, mais pas que. Je crois que ce qui est aussi le plus parlant chez lui, c'est son intelligence de jeu. Voilà, tout ce qu'il fait, c'est juste. Alors, on parle beaucoup des buts, mais tout ce qu'il fait dans la préparation... pour l'équipe, dans la préparation du jeu pour l'équipe, c'est juste, ses déplacements sont justes, ses choix techniques sont justes. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, il fait partie des meilleurs joueurs du monde et je vous dis, de l'histoire du foot pour moi. Meilleur que Mbappé, par exemple ? C'est pas le même style, mais bon, c'est pas le même style, c'est pas le même âge. Et Kylian fera certainement aussi partie de ces très très grands joueurs de l'histoire du football. Il en fait déjà partie parce qu'il a battu tous les records de précocité aussi. Voilà, mais donc c'est pas le même style de joueur, mais ce sont deux très très grands joueurs de football et qu'on aimerait avoir dans notre équipe. Hein. Mbappé et Benzema dans la même équipe, ce serait juste stratosphérique. Et ils l'ont fait en équipe de France. Ouais, hein, donc, en club. Ah, en club, bah, ça je sais pas. C'est... Ouais. À Rennes, ce serait bien. Je suis pas sûr, mais qu'on puisse, je sais pas. Merci. 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 Merci.